Bah, ton pote en école de commerce. Bah, l'objectif final, c'est quoi? C'est faire du profit, dans le sens alimentaire de la chose, non? Pour ça, faut faire quoi? Faut bien préparer les différents éléments pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Comme ça, tout devient plus simple dans l'assimilation des céréales. C'est compliqué de base, mais après, ça coule de source. En fait, c'est comme la prépa avant l'école de commerce, quoi. C'est bien se préparer, c'est indispensable. Oui, mais au fond, c'est logique, parce que si tu te la donnes pas, t'as rien en retour. Assez exigeant, mais ils veulent notre réussite. Je vais pas te mentir, tu vas t'en taper des week-ends de révision, mais ça vaut carrément le coup pour intégrer une école et pouvoir te tracer un avenir. Bah, pas mal, ouais. Je dirais autant que les mecs. Mes camarades, tu veux dire mes futurs collaborateurs. Plus j'en ai, mieux je me porte. S'arrêter au feu rouge? Mais pourquoi faire? J'ai pas le temps. Bah, si tu regardes la stratégie d'Apple, je veux dire, c'est juste incroyable. Ils ont su créer une marque en s'appuyant sur un storytelling bien ficelé, et puis Apple. Bah, oh, mais en même temps, tu devrais aller voir le MOOC de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi, tu verras, ça va t'intéresser.